Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation des vernis à ongles de la marque Sinful Color qui s'est associée avec Kylie Jenner. Mais je suis pas sûre de bien le prononcer, donc j'appelle Alex pour être sûre. Hello! C'est moi! Et tu sais, je suis en train de faire la revue sur les vernis à ongles, tu sais, de Sinful Color et qui sont en collaboration avec Kylie Jenner, c'est ça? Jenner. Le J en anglais, ça se prononce un peu comme un G, c'est ça? Bah, Kylie Jenner. Jenner. Ouais. Donc mes warriors, après ce petit cours avec mon Alex, je pense que j'ai bien prononcé. Donc la marque Sinful Color a sorti les derniers ongles avec Kylie Jenner. Je suis sûre qu'Alex va commenter. Et en gros, bah, c'est une tuerie. Donc je vais tout de suite vous laisser regarder le tutoriel où j'applique le vernis, où je vous fais des petits commentaires sur l'application, la tenue. Et je reviens après pour vous parler des autres couleurs. Alors le vernis que j'applique, c'est le Constellation, qui fait partie de la collection Pure Satin Matte, puisqu'ils ont sorti deux collections, la Pure Satin Matte et la Velvet Matte tout court. Alors quand j'ai commencé en fait à l'appliquer, je me suis dit oh mon dieu, parce que je trouvais ça vraiment, vous voyez, très transparent. Je me suis dit bon, et là j'ai mis la deuxième couche et j'ai été stupéfaite du résultat, parce que c'est tout de suite devenu beaucoup plus opaque, beaucoup plus couvrant et surtout très joli, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sincèrement, les couleurs des vernis sont magnifiques. La collection Pure Satin Matte, il y a 13 couleurs à l'intérieur, mais vous allez voir après l'application, je vous les montre toutes. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, la couleur est juste sublime. Je trouve qu'elle est vraiment assez, vous savez, dynamique et qu'elle apporte un côté en même temps glamour et élégant. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aussi vous aimez cette couleur. On va voir combien de personnes vont aimer la couleur. Moi j'en suis devenue complètement accro, hein, sincèrement. Oh, j'adore. En plus le pinceau il est génial en fait. Ça applique vraiment de façon uniforme et facilement la couleur. J'espère que mes petits commentaires sur l'application du vernis vous ont plu. Sérieusement, il est vraiment génial. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça change de couleur suivant comment je bouge. Donc en gros, je vous ai séparé en fait la collection qui s'appelle Pure Satin Matte et la collection Velvet Matte. Alors voici les 6 vernis que j'ai reçus donc de la collection Pure Satin Matte. Les couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, le Magic Touch, je sais pas si on voit bien, je le trouve sublime. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Regardez au passage, elle est super belle. Franchement, elle est trop belle. Alors pour la collection matte, j'en ai reçu 3 qui sont aussi très jolies. Il y a le Coco Motion, donc c'est celui-ci, le Curtain Call et le... celui-là c'est le quoi? Le Cozy. J'avais jamais testé en fait la marque et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Il est assez opaque. Donc par-dessus, je vais venir mettre celui-ci. Donc c'est le Top Coat de chez Revlon. Et ce Top Coat, c'est une tuerie. Honnêtement, à chaque fois que je mets ce Top Coat, j'ai l'impression de sortir de l'onglerie. Je sais pas si vous voyez le rendu. Et ça me fait tenir les, comment dire, les vernis plus d'une semaine. C'est un truc de fou. Il est génial. Pareil, c'est le nouveau de chez Revlon. C'est le Gel Envie Diamond Top Coat. Bon, je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter toute la collection de vernis à ongles que j'ai reçu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires quelle a été votre couleur préférée, si vous connaissez ou pas cette marque. Moi, je vous avouerai que je la connaissais, mais que je l'avais jamais, testée. Et en fait, c'est juste le fait de voir Kylie Jenner sur le, comment dire, sur le visuel. Quand j'ai reçu ça, en fait, je me suis dit ah ouais, obligé que vous allez avoir envie de savoir voilà quelles sont les couleurs. Est-ce que ça tient bien? Franchement, la tenue, elle a l'air top. Après, il faut que je vois au fil, enfin, au fur et à mesure des jours, mais voilà, déjà rien que les couleurs, elles sont top et ça s'applique vraiment facilement. Donc voilà mes petits warriors, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce vers le haut et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et attendez, j'ai oublié, et si jamais vous avez envie de voir comment je me suis fait ce maquillage, regardez, lien dans la barre d'infos ou juste après, vous aurez juste à cliquer sur l'écran. Allez, bisous, ciao !